je vous parler. Quel langage vais-je vous parler ? Quel langage vais-je vous parler ? Comment vous peindre des erreurs dont vous n'avez aucune idée ? Et comment rendre sensible le mal qu'un mot décèle, qu'un mot corrige ? J'ai pensé que l'ordre social était dans la nature même des choses et n'empruntait de l'esprit humain que le soin d'en mettre à leur place les éléments divers. Nous disposons de l'outil informatique et d'Internet. Il est temps de mettre en place une démocratie à participation directe, où le peuple peut créer une loi par initiative populaire. Cette loi sera votée par le peuple entier et acceptée si elle rentre dans le cadre de la constitution du pays. J'ai pensé qu'un peuple pouvait être gouverné sans être assujetti, sans être licencié et sans être opprimé. Que l'homme naissait pour la paix et pour la vérité et n'était malheureux et corrompu que par les lois insidieuses de la domination. Les changements institutionnels permettraient d'améliorer la qualité des lois. Par exemple, mieux que l'élection de représentants, le tirage au sort est une procédure assurant à proprement parler la représentation fidèle du peuple. Je pense que la sociocratie pourrait être un mode de prise de décision et de gouvernance qui permettrait à une organisation de se comporter comme un organisme vivant, de s'auto-organiser. L'objectif premier serait de développer la responsabilisation des acteurs et de mettre le pouvoir de l'intelligence collective au service du succès de l'organisation. Bien sûr, le consensus est la composante cardinale de la sociocratie. Quand un peuple devenu libre, quand un peuple devenu libre, quand un peuple devenu libre, a établi de sage loi, a établi de sage loi, a établi de sage loi. Sa révolution est faite, sa révolution est faite, sa révolution est faite. Si ces lois sont propres au territoire, si ces lois sont propres au territoire, si ces lois sont propres au territoire, la révolution est durable, la révolution est durable, la révolution. Songez donc, citoyens, à fortifier la Constitution contre ses pouvoirs et la corruption de ses principes. Toute sa faiblesse ne serait point au profit du peuple. Elle tournerait contre lui-même au profit de l'usurpateur. Le monde économique dans lequel nous vivons est marqué par deux vices. Le plein emploi n'y est pas assuré et la répartition de la richesse et des revenus y est arbitraire et manque d'équité. Le travail, c'est l'assurance de revenus.
on peut encore légitimement espérer qu'il génère des revenus suffisants sous forme de salaire pour que la totalité de la production comme offre puisse être absorbée par la demande. Il faut réexaminer le travail comme une question en soi, comme l'activité humaine nécessaire pour produire marchandises et services authentiques, mais sans être automatiquement celle qui nous procure les revenus destinés à nous offrir les moyens de consommer. Depuis la fin du 19e siècle, la taxation directe des revenus et successions a engendré de très grandes inégalités de fortune. La première leçon de la crise est qu'une concentration excessive de richesses parvient à terme à gripper le fonctionnement même de l'économie. Il nous faut un nouvel ordre monétaire pour arrêter la compétition et la guerre économique permanente entre tous les pays. Cela passe par la fin des anciens privilèges, à l'image de la primauté du dollar. Ou d'un FMI où les Américains ont de facto un droit de veto sur l'ensemble des décisions. Il existe un bon plan, celui de John Maynard Keynes, présenté à Bretton Woods en 1944, mais rejeté à l'époque. Avec des échanges basés sur une chambre de compensation multilatérale internationale où les exportateurs nets sont pénalisés de la même façon que le sont les importateurs nets. Et une monnaie internationale, le Bancor. Est-il chimérique d'espérer que ces idées se réaliseront ? Sont-elles trop étrangères aux motifs des sociétés organisées ? Nous n'entreprendrons pas ici de répondre à ces questions. C'est le moment de dire la vérité. Toute la vérité, franchement et courageusement, nous ne pouvons faire l'économie de l'honnêteté face à la situation de notre pays aujourd'hui. La richesse privée est une convention collective. Il n'est pas d'autre richesse que sociale. Toute appropriation privée des fruits d'un travail collectif doit faire l'objet d'un consentement collectif du moins exprimé. Ce principe interdit la concentration des richesses et doit susciter des formes nouvelles de production et d'échange. L'économie doit retrouver son sens étymologique. Écos, la maison, le foyer commun, et nomos, la loi. Revenir à l'oeconomie, c'est avoir une vision de l'économie plus large, qui recouvre à la fois les échanges matériels et immatériels des êtres humains entre eux, des sociétés entre elles,
et de l'humanité avec la biosphère. Je pense que l'on doit envisager une révision drastique de l'échelle des revenus, salaires comme revenus non salariaux, sur des proportions adoptées en 1942 par le président Roosevelt dans des circonstances quasi similaires. Une échelle de 1 à 20. Elle est actuellement de 1 à 300 et même beaucoup plus. Et ont abdiqué. Ils n'ont aucune vision, et sans vision, le peuple meurt. Et sans vision, le peuple meurt.